Skype up, bitch. Hello, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube SkyBet, cette chaîne qui partage avec vous astuces et stratégies en paris sportif, notamment du côté des bookmakers OneXBet, OneWing, BetWinner, ailleurs également. Alors si tu découvres la chaîne juste ce soir, juste aujourd'hui, abonne-toi très rapidement parce que cette chaîne est super fun et elle va t'aider. D'accord? Abonne-toi. Active surtout la cloche de notification, question d'être notifié, n'est-ce pas, lorsqu'on fera les prochaines vidéos. Alors, je m'en vais très rapidement partager avec toi une petite astuce qui va concerner le tennis et peut-être également qui va te positionner en tant que, comment je vais dire ça, dont un garde, un tireur d'élite, un mec qui est à l'affût. Donc, la première des choses, c'est que tu dois faire, c'est, je prends ce match hein, juste pour te donner, voilà, une astuce que les parieurs professionnels utilisent généralement en live et qui marche plutôt bien. Donc, je suis arrivé dans ce match tout à l'heure, voilà, ça vient de se terminer et Benoît Paire vient de perdre. Je suis arrivé dans ce match tout à l'heure et je me suis rendu compte que Sénégo, Lorenzo Sénégo, que voici, hein, celui qui a domicile, que voici, d'accord, que voilà, celui-ci, le mec qui a gagné en fait. Il est mieux classé au classement par rapport à Benoît Paire, d'accord. Je crois que Sénégo, si je ne me trompe pas, si on retourne dans SofaScore, d'accord, je crois que Sénégo est 32e mondial, il est italien. Il est plus jeune que Benoît Paire, il est 80e mondial et il a 33 ans, je pense, par là, si je ne me trompe pas. Et Sonego a 32e avec, je crois, 27 ou 28 ans. D'accord? Donc, quand j'arrive dans le match, je tombe sur le match de tennis tout à l'heure, je me rends compte que Sonego fait un mauvais début de match. Donc, du coup, Benoît Paire est en train de mener Sonego, il a breaké. D'accord? La cote de Sonego, la victoire de Sonego était à 1-6 en avant-match, d'accord, 1-5-1-6. Dès que Benoît Paire les breakait, hein, on était, je crois, à 5-2 ou bien 5-3. La cote de Lorenzo Sonego est montée pratiquement à 2. Et c'est là que j'ai saisi l'opportunité. Pourquoi j'ai saisi l'opportunité? Plusieurs raisons. Écoute très bien parce que ça va pouvoir t'aider, d'accord. La première raison est que Lorenzo Sonego est mieux classé que Benoît Paire. Et la deuxième des raisons, c'est que Benoît Paire, c'est un éternel, du moins depuis au moins un an, éternel frustré. Un gars qui a le talent et qui est doué, très doué même d'ailleurs. Mais la gestion émotionnelle, la gestion de sa colère l'empêche souvent de donner le meilleur de lui-même. Donc, avec tous ces préalables, sachant que Benoît Paire est un joueur vraiment moyen. Quand je dis moyen, c'est-à-dire que il est peut-être talentueux, il est bon, mais c'est un joueur qui pète facilement les plombs. Donc, il va perdre sa concentration facilement. Donc, si tu te fies à cela déjà, première information, Sonego est mieux classé. Deuxième information, Benoît Paire, c'est un joueur qui n'a pas de tranquillité. Quand ça va tout droit dans son sens, généralement, c'est un joueur qui assure. Mais du moment où ça se passe mal, c'est un joueur qui peut facilement sortir de son match. Donc, ça c'est la deuxième information. La troisième information, c'est que Benoît Paire, sur les derniers matchs, on est en droit de dire que sur les 10 derniers matchs, parce que ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sur les 10 derniers matchs, il n'a que 3 victoires. 3 victoires sur 10 matchs. Engar. Qui était quand même une tête d'affiche, qui a été 18e mondial, dont il a, tu l'as dit, dernier match, seulement 3 victoires. Donc, il a plus de pourcentage, de probabilité de perdre que de gagner. Donc, ça, c'est la troisième information. Maintenant, l'autre information maintenant concerne le joueur en réalité qui a été mené au début du match et qui est mieux classé que Benoît Paire, en l'occurrence Lorenzo Sonego. Lorenzo Sonego également n'est pas mal, sauf que sur les 10 derniers matchs, c'est 5 victoires contre 4 défaites. Mais généralement, qu'est-ce qui se passe?
Lorenzo Sonego perd difficilement contre les joueurs moins mal classés que lui. C'est-à-dire que les joueurs mieux classés que lui, il va généralement avoir des difficultés. En tant qu'outsider, c'est difficile qu'il puisse gagner. Mais en tant que favori, généralement, il tient son rang. Ça, c'est l'autre information. La dernière information, c'est que quand j'arrive sur le match, avant de décider de faire le pari, parce que je m'apprêtais à faire un pari assez conséquent, il faut également avoir cette application qui peut vraiment t'aider de temps en temps, d'accord? Donc, dans cette application, quand je retourne dans l'application, je peux avoir davantage d'informations très rapides, d'accord? Donc, Stuttgart, je vais à Stuttgart, et puis je vais aller chercher Lorenzo Sonego, c'est ce match-là. Je suis venu également ici. Donc, tu peux télécharger l'application. Hein. Je crois que c'est disponible sur Apple Store et sur Android, si tu es chez Android comme moi également. Donc, ici, tu as vraiment des informations qui peuvent t'aider rapidement. Tu as par exemple là le nombre de défaites. D'accord? En termes de défaites, qu'est-ce que tu vois? Tu te rends compte que victoire, on est à 30% du côté des Benoît Paire sur les derniers matchs, on est à 40% du côté de Sonego. De l'autre côté, la défaite au niveau de chez Benoît Paire, on a 70% de défaite contre 60% du côté de Sonego. Encore intéressant. Donc, tu te rends compte qu'on a deux joueurs quand même qui sont dans des mauvaises périodes quand même, mais il y a un qui est moins vulnérable que l'autre, d'accord? Et l'autre information, c'est quoi? La victoire étant en tant que favori, ils sont à 40%. Donc, généralement, quand ils sont favoris, le taux de réussite, même jusqu'à là, n'est pas très conséquent. Mais victoire en tant qu'outsider, on a 30% du côté des Benoît et 10% du côté des Sénégaux. Gagnant du premier set en tant qu'outsider, 60% contre 70% du côté du Sénégaux. Et perdant au moins un set, Benoît perd au moins un set toujours. Donc, je t'en rends compte que Sonego est mieux classé que Benoît Paire. Il était favori du Boomer avec une cote de 1,3. Sauf que après quelques minutes du jeu, il était très rapidement, facilement mené. D'accord? Donc le billet, le ticket vient d'être payé. Il était rapidement mené. Et du coup, ça a permis que sa cote ait passé de 1,3, 1,5 à 2 pratiquement. Donc tu saisis l'occasion en te disant que j'ai plusieurs informations qui m'amènent à penser que Benoît Paire ne va pas tenir le match. Donc c'est un joueur qui, quand ça roule généralement, et contre des joueurs moins forts que lui, généralement, il peut tenir le rang. Hein, il peut, si tout se passe bien, si c'est à son avantage, il peut tenir le rang. Mais quand ça se passe mal, généralement, il sort du match. Donc, tu saisis l'opportunité, tu fais un pari. J'ai mis 400 000 rapidement et puis, boum, voilà. On s'est fait directement 728 000. Donc, voilà. Donc, je voudrais également profiter de l'occasion pour te demander de nous rejoindre parce que on a une stratégie que l'on utilise au niveau du jeu 21 qui nous permet de faire vraiment des gains également. Donc, on essaye de l'utiliser. Hein. C'est ça, avec le jeu 21, je parviens à gonfler mon compte avec des mises pareilles. Donc, j'y joue, du moins mon équipe et moi, nous, on joue la stratégie qu'on a, nous permet de jouer les cartes en signe du joueur. Et on parvient à vraiment tirer notre épingle du jeu. Donc, on utilise ce qu'on appelait la martingale d'Agon. Donc, une martingale adaptée au jeu 21 qui permet de faire que lorsqu'on n'obtient pas la carte avec les capacités d'analyse que l'on peut avoir, on utilise cette stratégie pour se refaire. Donc, tu te rends compte que, par exemple, là, j'ai mis 1000 francs. Quand ça ne vient pas, je passe à 3000. 3000, pourquoi? Parce que la cote est une cote de 1,5 ou de 1,6, comme tu le vois. En mettant 3000, ça me permet que si la carte vient, je récupère ma mise précédente. Donc, j'ai mis 3000, par exemple, là. Si ça passait, ça devait me faire 4500. Je devais me récupérer les 1000 francs que j'ai d'abord misé juste là. Et ensuite, je devais me faire un bénéfice. Malheureusement, c'est pas passé. Et je continue jusqu'à ce que j'obtienne la carte. Pareil encore là. Là, par exemple, c'est ce matin également. À 10h, donc j'ai joué la carte carreau. Sauf que la carte carreau, elle n'est pas venue. La mise d'après, qu'est-ce que j'ai fait? La prochaine carte que j'ai jouée, qui était la carte pique avec plus de certitude que la carte pique devait mieux venir. J'ai joué la carte pique, malheureusement. La carte pique n'est pas venue. Et puis, j'ai perdu
50 000 pratiquement. Si j'avais joué la carte carreau avec ma stratégie, j'aurais récupéré directement. Malheureusement, c'est pas venu. J'ai continué des 50 000, des 50, on était à 50, combien de 1000, 56 000. J'ai multiplié la mise également par 3, donc j'ai majoré à 170 000. Et puis je suis tombé, j'ai joué malheureusement la carte pique au jeu 134, n'est pas également venu. Et le jeu d'après, j'ai mis directement 660 000 parce que c'était le maximum que je pouvais également miser avec cette option là au jeu 21. Donc j'ai mis et puis j'ai eu récolté 900 000 et poussière. Donc la carte pique elle est venue. Et puis en mettant 600 000 qui était pratiquement, j'étais à 170 000 au troisième tirage. En mettant 600 000, puis sans hésiter, carrément j'ai multiplié ma mise non pas par 3 mais par plus de 3. Donc 170 000 normalement par 3, ça va me faire même pas 600 000, ça va me faire 500 000 et poussière. Voilà, ça m'a fait environ 520 000, mais je suis allé à 660 000 parce que je voulais également faire des gains directement. Et quand c'est passé, ça m'a permis de récupérer tout ce que j'avais perdu avec. En quelques minutes, je me suis retrouvé à faire quand même près des 150 000 comme ça. Donc, et voilà. Et ensuite, on a fait des paris live ou le football également. Ça a marché, mais là, c'est pas passé malheureusement. Également, là, j'ai mis 131 000. C'est pas passé. Cet événement a été validé clairement. Sauf que celui-ci n'a pas marché. Et puis, j'ai perdu 160 000. C'est là que je me suis récupéré directement avec ce pari en mettant 400 000 sur le match de Sonego. Et puis voilà, ça me permet de récupérer tout ce que j'avais mis après. Là, actuellement, on a un pari en cours. J'ai joué la victoire de l'Italie. Voilà, et ici j'ai dit on devait avoir au moins 3 buts, 2 buts dans le match, en espérant que ça va le faire. Et ici j'ai joué la victoire de... J'ai également joué 2 buts dans le match, d'accord. Donc on va voir ce que ça va donner à la fin. Le lien vers notre groupe Telegram est en description, n'hésite surtout pas à nous rejoindre, d'accord. N'hésite surtout pas à nous rejoindre parce que je suis persuadé que ce groupe va pouvoir t'aider. On essaye au maximum de faire plaisir aux abonnés. Donc n'hésitez surtout pas à cliquer sur le lien, retrouver notre communauté. Et voilà. Donc on a un groupe public de discussion que voici. Voilà, le groupe de discussion, il est là. On a un groupe, un canal également, un canal privé. Et le canal principal. Donc voilà, le lien vers le groupe se trouve en description. N'hésite pas à récupérer le lien et à nous retrouver sur Telegram. C'était Skybet. On va se retrouver très très bientôt pour une nouvelle petite vidéo.